C'est pour ça que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, il vous a donné le pouvoir. Ça dépend de comment tu l'utilises. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sera délié. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu le pouvoir des ténèbres. 2016 nous viendra avec beaucoup de choses. L'accomplissement de toutes choses. Frère, 2016 doit te positionner dans la grandeur. Amen. Oui, ça doit te positionner dans la richesse. Ça doit te positionner dans beaucoup de choses. Amen. Parce que tu as Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce moment est tellement important et tellement sérieux. Alléluia! Tellement sérieux, bien-aimés. 2015, en grande partie, vous n'allez plus jamais, nous n'allons plus jamais revoir 2015, c'est parti, c'est fini. Amen. Vous accueillez une année. Et cette année-là, on l'appelle 2016. En 2016, ça veut dire l'accomplissement. Ça fait le chiffre 9. Amen. Et c'est dans la paix. Comment tu as créé 2016? Quels sont tes projets? Je voudrais que chacun d'entre nous va commencer déjà, à partir même de demain, élaborer ce qu'on appelle un agenda. Je veux que jusqu'en décembre prochain, il faudrait que telle chose s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Dieu t'a créé pour la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'image du jardin d'Éden, quand vous regardez l'image, avant que Dieu ne positionne l'homme dans le jardin, Dieu va déjà pourvu au besoin de l'homme. Quand l'homme s'est réveillé, il a tout vu dans le jardin. D'ailleurs, c'est l'homme qu'on appelle Adam qui a donné le nom des animaux. Il avait tout dans le jardin. Jusqu'à ce que l'humain, il décide de désobéir à Dieu qui perd cette grâce. Amen. Tu es condamné à être béni. Tu es quelqu'un qui est condamné à être béni. Non, un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la galère, dans la pauvreté, ce n'est pas de Dieu. Dieu est riche. Or, la Bible déclare que l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. N'ayez pas peur des menaces des sorciers. On m'a envoyé des messages. On dit, prophète, tu vas mourir, dis-moi. C'est moi, c'est pas moi qui ai mouru. Tu t'es trompé. C'est pour toi l'année. C'est toi qui donnes le sou de vie à quelqu'un. C'est mon Dieu qui donne le sou de vie. Toi, tu ne feras que parler. Ça ne va jamais s'accomplir. Parce que la Bible déclare dans le sauve. Et la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Dieu va toujours fermer ta bouche. Amen. Dans cette nation, on saura qui est quoi, qui fait quoi. On saura qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité. Nous sommes porteurs de vie. Nous apportons la vie autour de nous. Nous disons aux gens, vous les petits bruteurs là, laissez nos enfants vivre. Si vous voulez chercher l'argent, allez travailler. C'est quelle histoire de prendre le sang des êtres humains et puis pour tuer les enfants des gens? Pourquoi aller anarquer les gens sur Internet? C'est pour ça que le combat est déclenché, c'est pour ça que les gens cherchent à me tuer. Mais moi, je continuerai de les combattre. Parce que l'être humain mérite d'être respecté. Pour qu'on respecte l'être humain, il est tout sacré. Pour qu'on le prenne, on prend son sang. Pourquoi? Naïrité que Naïso Naïrité que Naïrité que Naïrité que Naïo Naïrité que Naïrité que Naïo Naïo Naïrité que choisis un chemin, il faut aller jusqu'au bout. Celui qui met la main
regarde la chérie et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est la situation de ce champ. Ça a commencé avec Jésus. C'est un nom retenu. De réfléchir comment te manger. Ils sont les mêmes pères, machin. Ils ont acheté Tigliti, du blé, voilà là, un placali. Je t'ai attaché un arbre et puis Dieu t'a défait. Une grâce. Amen. Ils sont sans supplier que tu sois en vie. J'ai entendu les aveux d'une dame. Elle veut manger son fils. Elle a attaché à l'homme. Le cabri a fui. Le cabri a fui. Dieu a fait un miracle. Le cabri est devenu. Le cabri est parti. Donc elle envoie son petit fils. Voilà, t'as pris le cabri. Or, le papa est un prieur. Donc le petit a pris l'enfant. Et c'est ainsi qu'il a été délivré. Ça vous dit, chaque fois que vous posez un pied, vous avez toujours des ennemis. On ne peut pas vivre sans des ennemis. Il y a des gens qui t'apprécieront, il y a des gens qui te condamneront. Même dans ton milieu, il y a des gens qui viendront comme des Judas. Amen. Qui auront toujours le sourire de Judas, qui auront le baiser de Judas. Ils te connaissent, mais leur ambition, ce n'est pas de te faire avancer, c'est de nuire. Ils seront avec les gens, ils ne parleront pas bien de toi, c'est pour te nuire. C'est ça qu'il faut savoir avec qui tu marches. Moi, grâce au démarche, je n'importe quoi. Je ne fais pas confiance aux gens à 100%. Si tu veux, c'est ton problème. Mais moi, non. Amen. Alléluia. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Frère, c'est ça qu'il est vraiment important de se confier en Dieu. Amen. Amen. La vie, là, c'est un combat. Alléluia. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas qu'un bébé tombe sur terre. Il pleure pour les chicots. Il faut qu'il pleure. Et tu viens dans un monde où il y a trop d'ennemis, tu pleures, tu dis tu affrontes un combat. La vie est faite de combat. Et écoutez, quand vous lisez dans Jérémie le chapitre 1, le verset 19, il dit vous ferons la guerre et ne vous vaincrons pas. Alléluia. Il dit vous ferons la guerre et ne vous vaincrons pas. N'oubliez jamais, je suis content comme un papa. C'est comme un contre-attaque. Parce que tu n'es pas comme lui, tu n'es pas comme lui. C'est un homme qui t'attaque. Non, je suis trop attaqué. Satan joue pleinement son rôle. Bien, pas la vie. Yeah!
I'm
I'm going to go to the hospital.